C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, nigga. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir en exclusivité mondiale le prochain son de ma man, Green Money, nigga. C'est un son qui s'intitule MAFIA. C'est ma main Bone Collector qui est à la prod de ce putain de track. Et je peux te dire que le morceau est très, 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 très lourd. Et pourquoi je vais te faire découvrir ce morceau en exclu? Parce que c'est mon caméraman même, ma main Naswayans, à qui je passe le salam, avec qui je fais la plupart de mes interviews et de mes grosses vidéos, qui est à la réal de ce clip. Clip qui va arriver incessamment sous peu. Clip très très lourd, avec une Rolls-Royce fantôme, avec un étalonnage en noir et blanc et tout. Je peux te dire que le son et le clip sont lourds, vous n'êtes même pas prêts. Et comme vous le savez, dès à présent, tu peux noter cette date dans ton agenda. Fantôme arrive le 7 octobre 2013. Donc note-le, le 7 octobre 2013, Fantôme est là. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que l'attente a été justifiée. Et je peux te dire que les gens ne sont même pas prêts. Beaucoup de gens vont retourner leur veste à partir du 7 octobre parce que putain, mon gars, j'ai eu l'opportunité et le privilège d'écouter quelques sons en exclu. Je peux te dire que les gens ne sont même pas prêts. Les gens ne sont même pas prêts et je peux te dire que ma main Green Money est un des rappeurs les plus talentueux, les plus avant-gardistes de sa génération. Les vrais savent, tu vois ce que je veux dire? Moi-même, Vantard, je peux pas reléguer Green au simple statut de rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Green, c'est un artiste. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Ce n'est pas un vulgaire rappeur, c'est un artiste. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vais te faire écouter le son MAFIA, tu pourras constater de toi-même que le morceau est très abouti. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les Green Money maîtrisent toutes ces skills, que ce soit les bails de vocodeur, les bails de refrain chanté, les bails de hook. Tu vois ce que je veux dire? Ces refrains accrocheurs, Green maîtrise toutes ses skills. Et depuis le départ, Green Money fait la différence. Tu vois ce que je veux dire? Depuis le départ. Et moi, je le suis depuis le début. Tu vois, lui-même, il avait une punchline où il disait, quand tu dis Green, faut que tu ajoutes Money. Quand tu dis Green, tu peux ajouter Vantard. Quand tu dis Rolls-Royce Music, tu peux ajouter Vantard. Car Vantard ride, Vantard roule avec la Rolls-Royce Music. Et ça fait des années. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas un nouveau fan. J'ai pas attendu MP3 volume 4 où je meurs les yeux ouverts ou les freestyles qu'il a balancé récemment pour dire ah ouais non en vérité Green il est fort il est loin. Moi je le suis depuis le début. D'ailleurs avec Green Money on a fait déjà 3 interviews légendaires qui sont disponibles sur YouTube et Dailymotion si je te raconte pas de conneries. J'ai fait la chronique de MP3 volume 1, MP3 volume 2, MP3 volume 4, ainsi que la chronique de Greenology. C'est-à-dire que même dans le game entier, je dois être l'un des gars qui a fait le plus de vidéos sur Green. Et il sait qu'il aura mon soutien quoi qu'il arrive et que Vantard ride avec la Rolls-Royce Family. Tu vois ce que je veux dire? En plus de ça, je peux te dire que j'ai des grosses affinités avec ma main Green. Tu vois, c'est vraiment un mec loyal. C'est un mec qui a du cœur. Bon, Green, il est toujours dans des bails de flyance, tu vois, ça veut dire qu'il a des affaires à gérer, il part à Los Angeles, il part à Genève, il part en Suisse, il part en Belgique et compagnie. Dès qu'il arrive sur le territoire français, il passe toujours un petit coup de fil à son gars Vantard pour parler de rap, pour parler de choses de la vie, de tout, de rien, tout ça et tout. Donc vraiment, j'ai vraiment gardé des affinités avec ma main Green, c'est mon gars sûr, et Vantard ride pour la Rolls-Royce Family et la Rolls-Royce Music, tu vois ce que je veux dire? Donc, Green n'est pas qu'un simple artiste, n'est pas qu'un simple rappeur. Green est un artiste polyvalent, tu vois ce que je veux dire? Donc,
Il a des gros classiques déjà à son actif, que ce soit les MP, la quadrilogie des MP3, volume 1, 2, 3, 4, que ce soit son album Greenology, que ce soit la mixtape MP3 Archive. Je peux te dire que Green a déjà balancé une flopée de classiques. Et Fantôme ne dérogera pas à la règle. Ce sera que des putains de classiques, que des nouveaux sons lourds, que des instrus, des bails, tu n'es même pas prêt, des nouveaux concepts, des nouvelles vibes. Et je peux te dire que quand Fantôme va arriver le 7 octobre 2013, ça va changer la donne. Donc il faudra soutenir ma main Green. Il faudra aller pécho l'album dans les bacs. Il faudra le télécharger sur iTunes et sur toutes les plateformes de téléchargement légal, parce que je peux te dire que le produit est vraiment sérieux. Le produit est hosted, validé, des certifié par Vantar himself. Et si je t'en parle comme ça, avec cœur et avec conviction, et si je postillonne, c'est vraiment pour te dire que voilà, tu vois ce que je veux dire, vraiment Green, il fait la diff, que ce soit dans le choix des instrus, dans son rap et compagnie. Depuis le départ, il fait la diff, et moi je le suis depuis des années, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Donc le clip MIFIA arrive d'ici peu. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Et aussi, il y a énormément de personnes, parce que bon, moi, les gens savent que je suis un passionné de rap. T'as qu'à regarder mes 30 interviews, mes vidéos, Vantard présente les classiques du rap français, mes débriefs, mes analyses, mes chroniques d'albums, de mixtapes et compagnie. Donc à ce niveau-là, j'ai plus mes preuves à faire. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais Green, il rappe que sur les meufs, il rappe que sur les voitures, les sapes et compagnie. Les gens qui disent ça ont une méconnaissance de sa discographie. Penche-toi attentivement sur sa discographie, tends l'oreille, écoute MP3 volume 1, MP3 volume 2, MP3 volume 3, MP3 volume 4, écoute l'album Greenology, et je peux te dire que Green est un artiste polyvalent. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, j'entends là les newcomers, les challengers dont tous les gens sont friands, qui rappent que de Kalachnikov, de mitraillette, de gofas, de Uzi, de nanani, je te tue, je te flingue, nanani, j'ai des tanks, j'ai des chars d'assaut et compagnie. Un rap qui tourne en rond, un rap qui apporte rien, l'ego trip pousse à son paroxysme. Mais voilà, moi personnellement, ce style de rap, ça me parle pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Et si tu écoutes Green attentivement, sans les préjugés, tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, ils ont entendu un morceau par-ci, un morceau par-là, ils se sont fait une idée, ouais, Green, il rappe, c'est du rap de players, nanani, détrompe-toi, tu vois ce que je veux dire? C'est, si tu dis ça, si tu tiens ce genre de discours, tu ne t'es pas penché sur sa discographie, tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a des morceaux super profonds, il rappe sur la famille, il rappe sur l'Afrique, il rappe sur la loyauté, il rappe sur le game, sur les difficultés du game, tout ça et tout. Et si vraiment tu connais la discographie complète de Green, tu ne tiendras pas ce genre de discours, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et je peux te dire que le son en question que je vais te faire écouter, voilà, moi je le possède en exclu dans mon disque dur, parce que c'est mon caméraman, Mamen Naswayans, qui a réalisé le clip. Le clip est super propre, le clip est super abouti, avec un étalonnage façon en noir et blanc, une Rolls-Royce Phantom à 400 000 euros et compagnie. Je peux te dire que vous n'êtes même pas prêt. Le clip arrive et il va encore faire la diff à ce niveau-là. Donc même moi, ce son-là, je peux te dire qu'en ce moment, il tourne en boucle, il tourne en boucle. Fuck les French Montana, fuck les Rick Ross, fuck les Kendrick Lamar, fuck les Chief Keef, les tout ce que tu veux. Moi, je peux te dire que ce son-là, je le saigne, je l'écoute au moins 800 fois par jour. J'étais avec ma main Naswayans il y a quelques jours au Festival de Cannes, et je peux te dire que mon gars, tous les jours, c'était des bails de MAFIA. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. L'album sort le 7 octobre 2013. Il faudra aller le pécho. C'est du très, 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 très lourd. Et avant d'introduire ce son, je voudrais aussi placer une spéciale dédicace à ma main Bone Collector. Bonesy, nègue! Parce que Bone Collector est l'un des beatmakers les plus talentueux de sa génération. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ne sont même pas prêts. Les gens ne sont même pas prêts. Il a fait des sons pour Alpeco, pour Dossé, pour Lafouine, pour Green, pour Mala,
pour le 9 de I, il a une grosse discographie, m'amène Bone Collector. Et la dernière fois justement qu'on s'est vu, c'était chez lui pour une interview déjà légendaire que tu peux retrouver sur YouTube. Et quand je discutais avec m'amène Bonesy, il me disait que l'un des sons dont il était le plus fier, l'un des sons qui pour lui était le plus abouti, c'était le fameux son qu'il a placé dans le dernier album de La Fouine, le son avec Mac Tyer. Moi-même, j'ai fait la chronique de l'album de La Fouine, et tu sais que Vantard est un nègre intègre, et que Vantard ne raconte pas de bullshit, tu vois ce que je veux dire? Et que quand l'artiste a flairé, quand le beatmaker a flairé, ou quand une chose me plaît pas, moi je le dis, tu vois, il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de truc, quand ça pue la merde, je dis ça pue la merde, tu vois ce que je veux dire? Donc le son en question était pas mal. Dans ma chronique, je l'ai dit que voilà, j'ai pas spécialement accroché. Pour moi, ça valait pas un on rentre dans la bank. Si tu as écouté MP3 volume 4, tu sais que c'est l'un des sons les plus dangereux de ces dernières années au niveau du rap. Un son comme Bienvenue dans la jungle ou un son comme Taser dans Greenology. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Bone Collector et Green, c'est comme Alchimiste et Prodigy, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Bone Collector a fait des sons pour Green que tu ne retrouveras sur aucun projet. Tu vois, ils ont ce style d'alchimie. Green a cette faculté de choisir les bons beats. Et je peux te dire que là, sur ce son, Bonesy, si tu regardes cette vidéo, si ça monte jusqu'à tes yeux, si t'es pas dans des bails de flyance, je peux te dire que tu t'es surpassé. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, si t'étais inspiré, si t'avais regardé Boys in the Hood, le petit coup de saxophone, le petit coup de guitare. Non, 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 nègue! Bonesy, t'as vraiment fait le taf sur ce son, vraiment, vraiment. Donc, après cette introduction qui était longue mais nécessaire pour recadrer les choses, pour te parler que voilà, Green est un motherfucking artiste, que l'album arrive le 7 octobre, que Green maîtrise toutes les skills et que Green est un mec archi loyal, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, j'ai gardé des affinités très fortes avec lui. À chaque fois qu'il passe sur Paname, il check son gars, son boug, Vantard, et que voilà, je reconnais le talent des gars et voilà, instinctivement, je me devais de faire cette vidéo, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il m'a rien demandé, mais voilà, moi, je vois tous les artistes qui sont un petit peu mis en avant. Le buzz en question n'est même pas justifié. Des artistes où ça tourne en rond, où les instrus sont super light, sont super légers et qu'il y a un engouement, tout ça et tout. Ben, personnellement, je me mets peut-être à la place d'un mec comme Green qui doit être peut-être un peu frustré, qui dit putain. Mon album, c'est un masterpiece, c'est un blueprint de Jay-Z. Et au final, il n'y a que des artistes du rap à l'eau, du rap mais flingué qu'on met en avant. Et voilà, donc instinctivement et spontanément, je me devais de faire cette vidéo. Bien évidemment, je lui ai passé un petit coup de fil avant pour lui demander son autorisation, si je pouvais faire cette vidéo. Bien évidemment, il a validé parce que voilà, moi je promotionne cet artiste, c'est un artiste que j'apprécie. Tu peux regarder ma chronique de MP3 volume 1, MP3 volume 2, MP3 volume 4, ma chronique de l'album Greenology, son premier album avec des morceaux comme J'ai pas le temps, Boss, Lamborghini, tu vois ce que je veux dire? Des sons comme Lamborghini, jamais aucun MC n'est parti chercher un instru comme ça. C'était DJ E-Rice qui a fait ce son, des sons futuristes comme ça. Mon gars, Green était trop en avance. Les bails de Tonight, Tonight, je vais compter ma monnaie, baiser une tasse, tu vois ce que je veux dire? Penche-toi sur sa discographie, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas un nouveau fan, je le suis depuis le début. Green t'a balancé que des masterpieces et des classiques, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, j'ai fait cette vidéo instinctivement, spontanément, parce que moi-même, je ressens la frustration. Et je peux comprendre que l'attente est longue, mais je peux te dire que l'attente sera justifiée. Quand l'album Fantôme va sortir le 7 octobre, beaucoup de gens vont retourner leur veste. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le public rap français est un public de girouettes. Tu vois ce que je veux dire? Le lundi, ils kiffent Mister You. Le mardi, c'est Section d'Assaut. Le mercredi, c'est Niro. Le jeudi, c'est Lacrim. Le vendredi, c'est 1995. Il n'y a pas une. C'est très rare. Les vrais gens intègres qui suivent, qui achètent tous les albums, tu vois, la vraie fanbase solide. C'est-à-dire que moi, à la vie, à la mort, je ride avec la Rolls-Royce musique, avec, tu vois ce que je veux dire? Je me tape.
je promotionne cet artiste, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même moi, bon, je raconte ma vie, mais je sais que tu prends plaisir sur mon analyse. Je vais juste te donner une petite anecdote perso. J'ai plein de collègues et des meufs que j'ai zouké à gauche à droite parce que tu sais que Vantard est un playboy. Vantard a dégommé beaucoup de meufs, beaucoup de groupies. Bon, faisons l'impasse là-dessus. Mais tout ça pour te dire qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui connaissaient pas Green. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, dans mon ordinateur, dans mon disque dur, j'ai le best-of hosted, validé et certifié par Vantar himself. J'ai pris les meilleurs sons de MP3 volume 1, MP3 volume 2, MP3 volume 3, MP3 volume 4, Greenology, Greenology Archive, les trucs qu'il a posés à gauche à droite comme le son Mauvais Oeil, qui est un des meilleurs sons des tous les capitales du crime qui sont sortis. Et j'ai fait un espèce de petit best-of que j'ai mis sur une clé. Tu vois ce que je veux dire? Et cette clé, je l'ai passée à des meufs, je l'ai passée à des potes, je l'ai passée à des collègues de travail et tout. C'est toujours le même best-of. Et je peux te dire que dans 109% des cas, 100% garantie, certifiée, les gens m'ont dit non. Je connaissais pas Green, Vantard, merci de m'avoir fait découvrir cet artiste. Le mec est trop sérieux. Les morceaux comme H24, 24 sous 24, elle m'a dit que j'étais son héros. Tous ces sons-là, neg, tu vois ce que je veux dire? Les sons I'm Living, tout ça, tous ces classiques, ces chefs-d'œuvre, ces masterpieces. Tous les gens à qui j'ai fait découvrir ces classiques de Green sont devenus des fanatiques et des soldats de la Rolls-Royce Music, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est unanime. Il n'y a personne qui m'a dit non, c'est light et tout. Tout le monde a kiffé. Toutes les meufs et toutes les personnes à qui j'ai passé cette fameuse clé se reconnaîtront dans cette motherfucking vidéo. Donc voilà. Donc je t'ai dit, le morceau MAFIA arrive incessamment sous peu. C'est ma main Naswayam qui l'a clippé. Vous n'êtes même pas prêt. Ce sera le prochain extrait éventuellement de Fantôme. Je ne sais pas si il va balancer un autre clip avant ou quoi. Mais en tout cas, ce clip-là, il arrive. Je vais te faire écouter ce morceau. Comme je t'ai dit, je lui ai demandé son autorisation. Il n'y a pas de spoilage, de nanani, de fuite sur le net. Il a validé. Et voilà, je te fais découvrir ce morceau en exclusivité mondiale et interplanétaire avant qu'il balance le clip. Et bien évidemment, je vais backer ce morceau, je vais swagger sur le morceau, comme ça il n'y aura pas de fuite et de trucs sur le net et compagnie. Donc voilà, tu pourras dire que c'est Vantard affilié à Rolls-Royce for Life qui t'a fait découvrir ce morceau. Bonne collectant de track. À part Dieu, personne peut dire m'avoir créé. À part ma mère, personne peut dire m'avoir fait. À part ma mère, personne peut dire m'avoir fait. À part mon père, personne peut dire m'avoir tué. À part mon père, personne peut dire m'avoir tué. Je prends un verre et dans ma tête, ce monde, je le refais. Non, 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 pull up! Je crois que tu n'as pas entendu les premières notes de ce morceau. Moi-même, j'ai cherché, j'écoute ce qui se passe à gauche, à droite, des sons comme ça. Never heard before, mon gars. Green fait la diff à tous les levels, mon gars. Il y a des sons dans Fantôme. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Il annonce la tendance. Monsieur Green Money est un avant-gardiste. Écoute ces quelques notes de musique. Bonne collection de tracks. À part ma mère, personne peut dire m'avoir fait, peut dire m'avoir tué. Ce monde, je le refais. Dans ma tête, ce monde, je le refais.
MAFIA, MAFIA. Avant l'argent pour la familia. Une armée de fantômes. J'arrive seul, une armée de fantômes. Je contrôle. Faire tourner mon bise. Ce qu'ils disent. MAFIA, MAFIA, pour la familia. Rolls-Royce, tu n'es pas prêt! Bonne collecte on the track. Donc voilà. Je le répète une dernière fois, l'album sera dans les bacs le 7 octobre 2013. L'attente sera justifié, l'attente sera à la hauteur de ce masterpiece, de ce classique du rap français. Nouvelle vibe, nouvelle instru, nouveau concept, nouveau clip, nouvelle ambiance, tu n'es même pas prêt. Donc il faudra aller